lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon, we'd go to Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc non, je ne filme pas dehors, je suis chez moi, mais je me pèle le cul, donc oui, je suis avec le gros gilet et la grosse écharpe. Voilà, j'ai froid. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai vraiment du mal avec ce mot, unboxing, je vais y arriver. J'ai reçu un colis hier. Là tout de suite, donc je vais ouvrir ça avec vous. Je vais commencer à dézipper hors caméra, je pense, parce que sinon ça va faire un boucan de ouf. Enfin, je vais couper au montage, quoi. Donc je vous retrouve tout de suite. Rien qu'en ouvrant ça, vous vous doutez de ce que c'est. Enfin, de toute façon, c'est écrit juste en bas. Hein, donc voilà, on va. Hop, j'ai passé une petite commande pour moi et Loulou. Et j'ouvrirai l'autre après. Voilà, faire ça. Donc, j'ai trouvé une petite carte Zoeva. Produits qui me font bien envie, ben, les pinceaux surtout. Mais bon, voilà, vu le prix, vous savez très bien où je vais aller, où je vais en acheter. Hein. Zoeva débarque sur Sephora.fr pour votre plus grand bonheur. Ouais, donc je vais voir les prix, mais à mon avis, ça va être hors de mon budget. Hein? Alors, la boîte en elle-même est orange. Oh, ça ressort un peu rouge, j'ai l'impression. Mais c'est orange et j'aime pas l'orange. Mais bon, ça, ils peuvent pas le deviner. Donc, ouais, j'avais demandé de qui me mette ça dans, avec la boîte cadeau. Je me suis dit, ça me fera une boîte en plus. Donc, la boîte, elle est aimantée, c'est cool. Mais elle est orange. Donc c'est quelques petits produits, hein. C'est pas c'est rare que je commande, enfin que j'aille à Sephora de toute manière, et là vu que je bouge pas trop avec Bibou là, de ce temps là je sors pas des masses, j'ai pas envie qu'il tombe malade. Donc en échantillon j'avais le choix, donc j'ai choisi donc un petit testeur de bad de diesel pour Doudou. J'ai choisi un fluide hydratant visage herboriste pour moi. Et le troisième, voilà, de normalement il y avait trois échantillons. Déjà un fail. Ah non, il est là. Il était collé. Et le troisième, c'est un magnétique eye color. Donc c'est la couleur Angel et je sais, c'est Nude Sticks, mais je ne sais plus de quelle marque c'est. Je suis en train de penser, je sais même pas de quelle marque c'est. Donc c'est un petit stick ombre à paupières. Je vais l'ouvrir pour faire un petit swatch. Hop. Ouais, c'est toujours le moment de l'amour. Hein? Alors, c'est quoi la marque? C'est Nude Sticks. Donc, classique. On va voir. Je vais tester. Hein? Je sais pas trop si ça doit tenir. J'ai bien peur que ça crisse. Mais bon, j'essaierai. Alors, sinon, je me suis commandé donc un anti-cerne. Donc, l'anti-cerne Sephora. Donc, moi, je l'ai pris en teinte 13 porcelaine rosée. Parce que, bon, bah là, avec les nuits que j'ai en ce moment. Ou les nuits que je n'ai quasiment pas, on va dire. Voilà, j'ai plein de cernes. Donc, voilà. Et puis, je cherchais un anti-cerne et je n'arrête pas d'en entendre parler de celui-là. Donc je me suis dit je vais le tester, mais bon quand même 13 euros dès l'anti-cerne. C'est pas cool. Je viens de mettre Bibou au lit, mais il va digérer son biberon, donc il va peut-être pleurer un petit peu. Mais bon,
celui-là, j'arriverai pas à l'ouvrir et de toute manière, je vais pas vous swatcher un anti-cerne. Donc voilà, à tester. Je vous en dirai des nouvelles dans les prochaines vidéos. Make-up. Sinon, je me suis commandé deux masques mains. Donc à l'aloe vera Sephora. Hein. Donc j'en ai pris un pour moi, un pour Doudou parce que à force de faire les vaisselles pour les bibes, on a juste les mains super sèches, super niquées. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre des petits masques pour les mimines. Donc on va peut-être faire ça ce week-end. Je vais voir. Et j'ai pris aussi deux masques pour les pieds. Voilà. Parce que pareil, on a les pieds super secs avec les changements de température. Donc voilà, on va tester ça. Je sais même pas si Doudou il va pouvoir rentrer dedans avec ses pieds qu'il a lui. Bah oui, forcément, un mec, ils ont des grands pieds. Je sais pas jusqu'à. Enfin voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble, donc on va tester ça ce week-end parce que voilà, c'est juste plus possible quoi. J'en peux plus de mes mains et de mes pieds là. Faut qu'on fasse quelque chose. Donc voilà pour ma petite commande Sephora, vous voyez, petite commande. Hein. Forcément, Sephora, c'est vite chaos. Donc on a plus de budget. Donc voilà pour ça. Le deuxième colis. Ça s'ouvre vite, facilement. Donc j'ai pas tout reçu parce que j'ai pas commandé que ça. C'est sûr. Mais donc j'ai passé une commande sur Momox Shop. Donc vous pouvez commander plein de choses sur ce site. Hein. Mais bon, moi, si j'ai passé commande, c'est pour des livres. Donc, je me suis pris le premier tome de Petit Changeling, donc de Nalini Singh. Voilà. Donc, je sais plus trop à combien je l'ai eu. Je sais plus trop. Mais bon, à la base, il est à 8,20€. Il y a le prix dessus. Hein. Voilà. À la base, il est à 8,20€. Donc, il est en bon état, franchement. Ça va. Mais bon, celui-ci, je l'ai déjà lu. Hein. Voilà. C'est juste parce que voilà, je l'ai vu dans ma bibliothèque. Donc, voilà, je commence à me les prendre. Et mes bouches, je me les prends en occasion. Donc, j'espère que je ne vais pas galérer à enlever Super Autocollant Momox. J'espère que ça ne va pas faire trop de marques. Enfin, voilà. Mais bon. J'ai mon premier tome de Psy Changeling. Et moi, je les trouve trop belle couverture. Bibou. Donc, j'en ai profité. J'ai pris aussi le tome 2 que j'ai lu aussi. Donc là, c'est Vision Torride. Et bah, celui-ci, je vous mettrai de toute manière les prix auxquels je les ai eus sur l'écran. C'était pas grand-chose. Bah, c'est moins de 8€, c'est sûr. Donc, ça vaut largement le coup. Et j'ai commandé suffisamment pour avoir les frais de port gratuit. Donc faut commander pour 15€ pour avoir les frais de port gratuits. Donc là il m'en manque, normalement il m'en manque deux. Donc je mettrai sûrement la vidéo à la suite. Donc je me suis dit j'allais inclure cette partie à l'autre vidéo. Donc oui, je ne suis pas maquillée pareil, pas habillée pareil, mais je l'inclus comme ça. L'unboxing est terminé. Donc je coupe tout de suite, désolée pour le bruit, j'espère que je vais pas en faire trop pour parler avec Bibou qui a eu du mal à s'endormir. C'est le reste de ma commande que j'ai passée sur Momox. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc c'était la première fois que je commandais, donc ça m'a paru un peu bizarre de recevoir parce que j'ai passé une commande et je reçois deux colis. Donc ça m'a. Voilà. Quand j'ai eu un petit peu peur au début. Hein. Mais une de mes abonnées qui a l'habitude de commander sur ce site, d'ailleurs je te fais un bisou, Céline. M'a dit que c'était normal, qu'il fallait pas que je m'inquiète et tout. Donc j'avais quand même envoyé un message au site pour savoir ce qu'il en était. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Hein. Mais bon, j'ai reçu les deux derniers livres de ma commande. Qui. Et donc dans le dernier colis, j'ai droit à mon bon de livraison. Bon. Je vais pas réussir à filmer aujourd'hui, je crois. Bibou ne veut pas. Donc, les deux derniers qui me manquaient, c'est
Sea Changeling 3. Donc, caresse de glace. Donc, encore une superbe couverture. Voilà. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Donc, voilà. Je vais enlever le plastique. Le vilain autocollant tout dégueulasse. Voilà. Donc, ouais, il est super beau. Du coup, c'est écrit super petit, donc je sais pas si je vais lire papier ou si je vais lire e-book. Je pense que je le lirai peut-être plus en e-book. Enfin, surtout, vu que là, je vais reprendre le boulot d'ici peu, je pense que je le lirai en e-book. Histoire de pas me flinguer les yeux. Et pas de l'abîmer non plus, parce que bon, il est en très bon état. Franchement, ça va. Mais je pense pas qu'il y ait les prix. Non, il n'y a pas les prix. Donc moi, je vous les inclurai sur l'écran au prix auquel je les ai eu. Donc sur le site Momox. Et il faut avoir 15 euros de commande pour avoir les frais de port gratuits, il me semble. Oh, celui-là, il est dans un état, mais dégueulasse. Je vous montre juste la tranche. Il est dégueulasse. Hein ? Il est... Et l'autre côté, il est bien cassé aussi. Je sais plus en quel... Oh là là, moi. Là, je suis... Ouais, juste dégoûtée, quoi. Là, il est super gondolé. Mais je pense que je l'ai pas... C'est celui qui me coûtait le moins cher, je crois. Je sais. Donc, ça, c'est mon premier Crystal Higgins. Donc, l'amour et tout ce qui va avec... Je voulais tester cet auteur, j'en entends parler par Moody Take Book. Donc voilà. Je suis dégoûtée, il est dégueulasse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tonight.